il y a des Camerounais, bon, je ne sais pas si je vais dire des Camerounais ou le Camerounais, mais il y a le cas de Shakiro. Il faut quand même rappeler que Shakiro, né Duken Loïc, est un homme, mais qui a pris l'habitude de dire qu'il est une femme emprisonnée dans le corps d'un homme. Enfin, pour dire qu'il se sent davantage, il est beaucoup plus à l'aise en se présentant comme une femme. Elle a été... Il a été arrêté en février 2020 pour homosexualité, détenu à la prison de New Bell, où elle a subi, il ou elle a subi des atrocités. Elle a été violée pendant plusieurs jours. Finalement, avec l'aide de la très célèbre avocate Alice Com, elle a réussi à se tirer d'affaire, s'est réfugiée au Nigeria et finalement a obtenu un visa humanitaire pour la Belgique. Mais lorsque vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je voudrais commencer avec vous, maître Georges Téguem. Il y a cette actualité qui défraie la chronique depuis plusieurs jours maintenant. Il s'agit de ce coming out de Brenda Biya, la fille du président de la République, qui sur sa page Instagram, en fin de semaine dernière, donc, a posté une photo d'elle embrassant une jeune dame. La question ou l'image a fait le tour des réseaux sociaux avec cette légende qui accompagnait la photo. Je suis folle de toi, je veux que le monde le sache, s'adressant donc à sa compagne, femme, une certaine Léonce Valença, brésilienne. Qu'est-ce que cela suscite comme réaction? On a observé que depuis lors, il n'y a pas une véritable réaction du gouvernement sur cette question. Il faut rappeler que la loi au Cameroun, notamment le code pénal, en son article 347.1, punit l'homosexualité. Qu'adviendra-t-il de la fille du chef de l'État? Permettez-moi, Duval, je veux commencer par vous. Peut-être, excusez-moi, je n'ai pas le droit peut-être de vous poser deux questions, mais je voulais comprendre. Voulez-vous qu'on parle de l'homosexualité ou voulez-vous qu'on parle d'une dame? La loi punit l'homosexualité au Cameroun. La fille du président de la République est dans cette chose-là, pour reprendre l'expression du président de la République. Qu'est-ce qu'on fait? Est-elle justiciable comme tous les autres Camerounais? Je ne veux pas revenir sur le cas de Shakiro, que tout le monde connaît, qui a été malmené, qui a été placé en détention et qui finalement a fui au Nigeria pour se retrouver finalement aujourd'hui en Belgique après avoir obtenu un visa humanitaire. Qu'est-ce qu'on fera de la fille du président de la République qui a avoué officiellement son homosexualité? Je dois peut-être commencer cette émission avec présentant le cas d'un ami avec qui on était à l'école en Europe. Pendant qu'on y était, il me souvient qu'il avait sa petite amie qui est finalement devenue son épouse. Et à chaque fois là-bas, elle faisait la vaisselle, elle avait tout, elle avait même les toilettes, et ce n'était pas un problème. Revenu au Cameroun, il y avait la CAN. Nous sommes allés chez lui, il avait des amis, et effectivement on est au Cameroun. On a vu un match, et il étend son épouse, lui dit, lave les cuillères, lave les assiettes, il le fait. Alors qu'on sort, après le match, il y avait des amis, en route, certains commencent à dire, tiens, va laver les assiettes, va laver les cuillères, va laver ceci. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais toi, tu nous prends pour des qui? On vient chez toi, on lave les marmites. Quelles sont ces histoires? Deux jours après, le Cameroun joue encore un match. On repart chez lui et la femme fait ça. Alors, il a rué le coup. Nous qui étions là, on l'a arrêté et puis après on ressort. On dit, non, on ne peut plus rester ici. Pendant un minute, on veut manger, toi, tu tapes ta femme. Quand on arrive dehors, un autre dit, mais tu as vu qu'on t'a laissé pour que tu la baffles très bien. Que cette histoire, une fille au Cameroun, elle te dit, lave les assiettes, machin, truc. Ce que je veux, par cette métaphore, c'est vous dire que il y a un principe qui a été bien pensé, c'est celui de la territorialité de la loi pénale. La loi pénale a une compétence territoriale, c'est-à-dire la loi pénale de la République ne s'applique qu'aux faits punissables sur le territoire de la République et aux faits punissables sur le territoire étranger, à condition que le principe de réciprocité soit observé, c'est-à-dire que s'il est punissable là-bas, que ce soit également punissable chez nous. Donc, ce que vous évoquez là, je me gêne beaucoup parce que, en tant qu'avocat, je dois observer une certaine prudence. Je vous dis pourquoi j'observe la prudence. Votre émission est sur le Bouquet Canal. Ça veut dire qu'on vous suit dans des pays où on peut engager une procédure contre moi, Téguem, pour avoir dit un truc sur ce plateau, une diffamation. C'est ça la procédure. Donc, lorsque vous me demandez de parler d'un citoyen, je dois observer une certaine prudence. La prudence de l'avocat que je suis, sachant ce que c'est. Sachant que lorsqu'une émission passe,
tous les missions suivies, la compétence territoriale peut s'appliquer. Et donc, par conséquent, vous me permettez d'observer une certaine prudence parlant d'une dame, parlant de l'homosexualité. Je dis que la loi camerounaise interdit l'homosexualité. La loi camerounaise prohibe l'homosexualité. Mais la loi camerounaise a une vocation à s'appliquer sur le territoire de la République. Si l'homosexuel pose son acte sur le territoire de la République, la loi camerounaise a effectivement vocation à s'appliquer. Dans le cas présent, vous comprendrez que n'étant pas sur le territoire de la République et la diversité culturelle existant, le monde étant divers, le monde étant comme il est, nous comprenons la position des Camerounais. Nous comprenons aussi que nous sommes dans un monde où il y a des règles qui varient d'un pays à un autre. Vous savez que dans certains pays, des propos comme ceux que vous tenez là sont qualifiés de propos homophobes. Lesquels ? Dit que quelqu'un qui est pratiquement libre de sa sexualité, vous venez ici dire ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'on a dit ? Quand vous dites que c'est puni sur le territoire de la République, c'est la loi, ça s'arrête ici. C'est la loi ou pas ? Si, ici. Mais vous comprenez que, étant là-bas, ce que vous dites là, vous êtes poursuivi. Et vous devenez vous défendre. Alors moi, Téguen, je n'ai pas vocation à prendre un billet d'avion pour aller me défendre en France. Parce que ce que vous ignorez, c'est que je connais comment ça marche, j'ai été étudiant là-bas, une petite plainte, et vous devez venir à l'audience. Ça devient sérieux. Donc moi, Téguen, comme le candidat des PC, je veux observer une certaine prudence sur ce sujet, en vous indiquant que, oui, au Cameroun, l'homosexualité est punie. Ça a été rappelé par M. le Président de la République. C'est la loi de la République qui a vocation à s'appliquer sur le territoire de la République, en vertu du principe enseigné en deuxième année de droit, celui de la territorialité de la loi pénale. Ok. Alors, Aristide Monod, quelle est la lecture que vous avez de cette actualité qui a défrayé la chronique toute la semaine qui vient de s'achever? C'était le principal sujet de débat sur les réseaux sociaux. Déjà, l'attitude de l'opinion publique camerounaise, les médias en particulier, en dehors du groupe La Nouvelle Expression, je n'ai pas vraiment vu un autre média prendre à son compte le traitement de cette information, de cette actualité. Et cela m'a rassuré qu'ici au Cameroun, il y a des sujets à risque pour certains, des sujets qui bénéficient d'une certaine immunité médiatique et que d'autres pourraient s'imposer comme des sujets bois blanc. Le cas de Shakiro avait été traité, le cas de Gaël Ngannamwit avait été traité avec des débats comme celui d'aujourd'hui dans des médias importants. Mais concernant le cas de la fille du chef de l'État, on a observé un silence assourdissant, très curieux. Un silence qui découle à la fois de la peur et aussi de la complicité clientéliste. Vous avez vu ou observé toute la gêne qui a animé Maître Tekem tout à l'heure en parlant de ce sujet. C'est une complicité clientéliste. Il ne veut pas nuire à ses intérêts. Ses intérêts d'avocat et ses intérêts d'homme politique. Il préfère fermer complètement la bouche sur un sujet aussi grave. Vous avez également observé chez les acteurs de la société civile un certain mutisme très très inquiétant. Il faut rappeler que ce sujet pouvait être banal si il n'y avait pas l'image de la présidence de la République et aussi cette forte publicisation, bon, pas publicisation, médiatisation des pratiques homosexuelles. À la suite des premières images, il y a eu d'autres qui ont suivi, plus graves et plus choquantes. Alors, est-ce que la loi au Cameroun permet la forte publicité sur l'homosexualité? Non. Est-ce que, parce que c'est la vie privée, que cela devrait être contraire à la loi? Est-ce que c'est parce que c'est ma vie privée de rentrer dans un rapport sexuel avec une chèvre que cela devrait être toléré
parce que ça serait ma vie privée. Non, la loi ne connaît pas de vie privée du moment où elle reste très catégorique sur la situation. Mais revenons au cas, au statut de celle qui est aujourd'hui au devant de la scène dans ces choses-là. Docteur, sans vouloir couper la parole, c'est elle-même qui a donné de la publicité à sa vie privée. Exactement. C'est à préciser. Voilà. Président de la République, ailleurs, pour des questions un peu moindres, on observe souvent des déchéances. Ça veut dire que parce que l'homme politique n'arrive pas à domestiquer un bon nombre de pressions familiales, il est exposé à des sanctions politiques et parfois il prend l'engagement lui-même de démissionner. Donc il n'y a pas vraiment une césure étanche entre la vie privée d'un homme politique et sa vie publique. C'est pourquoi nous préconisons toujours une certaine hygiène de vie qui cadre avec des ambitions politiques. Le président Paul Biya et son épouse sont ceux-là qui sont à la tête de l'État. Je dis bien sont, pas que le président lui-même, parce que l'implication de la première dame dans la gestion de l'État du Cameroun est prouvée. Contrairement ailleurs où les femmes des présidents sont totalement transparentes au Cameroun, la première dame, j'allais dire, elle est plus qu'encombrante. Par conséquent, leur vie devrait davantage intéresser les Camerounais. La loi, je ne vais pas revenir sur ses dispositions, elle est formelle sur ses pratiques. Flagrant délit ou pas, je ne sais pas si pour qu'on ne pas attraper un voleur qui est reconnu, il faut d'abord qu'on le trouve en train de voler. Je ne sais pas trop. Mais du moment où lui vous dit que je suis voleur, j'assume mon statut de bandit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore chercher dans le flagrant délit. La personne a assumé. Alors la loi est claire et le président de la République, ainsi que sa femme et leurs enfants, doivent être les premiers à donner le ton pour ce qui est du respect des lois de la République. Deuxième chose, les valeurs collectives camerounaises, les valeurs de la société camerounaise, pour l'instant, ne tolèrent pas les pratiques homme-homme, femme-femme, les pratiques d'homosexualité, y compris la zoophilie. Jusqu'à ce jour, notre société ne tolère pas cela. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu une loi qui pénalise l'homosexualité, les valeurs devaient pénaliser l'acte qui est en train d'être posé par la fille du président de la République. Et par conséquent, le président de la République et sa femme se présenteraient aujourd'hui comme ceux-là qui n'arrivent pas à observer ou à faire observer les valeurs de la société camerounaise. Chaque société a ses valeurs. Ne voyons pas la modernité. Aux États-Unis, il y a des valeurs américaines, il y a des valeurs anglaises, il y a des valeurs allemandes. Le Cameroun a également son still way of life qu'on doit également respecter. Et troisième chose, c'est la responsabilité et la compétence parentale des premiers des Camerounais qui sont mis en difficulté, qui sont interrogés. Parce que comme on peut le dire concernant l'enseignant, un bon enseignant se juge à partir de la valeur de ses élèves. Un bon dirigeant pourrait également être jugé à partir des valeurs qu'il a eu à inculquer à ses enfants. Tel qu'on est en famille, on pourrait également être comme ça dans la gestion des affaires publiques. Alors si aujourd'hui, on observe une certaine irresponsabilité parentale, ça veut dire que l'encadrement parental, familial, n'a pas été rigoureux. Si on observe également que les parents ont brillé par une certaine incompétence parentale, ça veut dire une incapacité à pouvoir encadrer leurs propres enfants, on peut se poser des questions quant à l'encadrement de 30 millions de Camerounais. Pour dire des choses de manière simple, si l'encadrement de quelques deux, trois enfants dépasse les parents,
est-ce qu'ils peuvent encadrer 30 millions d'enfants? Et c'est pourquoi ce sujet, pour moi, est assez fondamental. Et si, aujourd'hui, on n'arrive pas à dire le droit ou à engager même ne serait-ce que des procédures pour voir clair, parce que Maître Teguem, lui, il est dans l'opératoire. Il parle de la territorialité. Est-ce qu'il a mené une enquête pour voir si Brenda n'a pas fait ça ici? Pourquoi il est si affirmatif? Il est si sûr de lui que ça s'est passé ailleurs? Il se base sur quel élément? Or, les photos qui ont été envoyées, des vidéos, doivent être rapidement saisies par des enquêteurs pour donc voir clair et voir si effectivement ça s'est passé ici ou ailleurs. Et sur ce principe même, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi lorsque les activistes posent des actes qui n'arrangent pas Yaoundé, on les attend à l'aéroport de Simalène? Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont fait ça en Belgique, ils ont fait ça en France? Pourquoi on les suit ici au Cameroun et on les craque? Pourquoi? C'est pourquoi je dis, pour une société qui se veut juste et équitable, il est important qu'on ouvre ne serait-ce qu'une procédure contre la fille du président, si elle est malade. Parce que certains peuvent convoquer cette hypothèse. Et ce qui est également, ce qui est possible, elle peut être une malade mentale, on ne sait jamais. Si elle est malade, que la République s'occupe d'elle. Parce que c'est notre devoir aussi de protéger l'image de l'institution qu'incarne le président de la République, en disant on ne peut pas accepter que la fille de notre président s'exhibe de manière ostentatoire dans une histoire qui est totalement réprimée dans notre pays, qui n'est pas également tolérée. Même si c'était toléré, rien ne... N'est-ce pas, les relations hommes-femmes sont tolérées au Cameroun? Et monsieur Duval, allez donc mettre vos gymnasties de nuit sur les réseaux sociaux. Mais on va vous poursuivre. Donc ça veut dire que ça va même au-delà de la question de l'homosexualité pour convoquer la question de la pudeur publique. Donc je crois que Maître Teguem, qui veut la République exemplaire, devait commencer par rappeler aux membres de son camp ou de son clan qu'il faut observer d'abord la loi et en plus observer les valeurs. J'ai dit bien, le Cameroun a ses valeurs. La France a ses valeurs. Vous avez peur. Pourquoi vous n'imposez pas la polygamie aux Français? Mais quand c'est l'homosexualité, vous commencez à avoir peur en disant non, vraiment, ils peuvent vous porter plainte. Donc on ne peut pas porter plainte aux Français par rapport à leur position sur la polygamie.